bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 8 Village avec notre épisode 5. Comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Profitez de la 4K 60 FPS, évidemment vous verrez, ça peut changer votre vie et kiffer, passer un bon moment en ma présence, en notre présence. Nous sommes toujours avec Ethan Winters, évidemment. Et n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Vous avez hissé chaque épisode en top tendance. Écoutez, je le répète parce que c'est quand même incroyable. C'est très rare, voire même quasi inexistant, un let's play avec autant d'épisodes à chaque fois en top tendance. Vous avez fait quelque chose d'incroyable, donc encore merci à vous, on n'oublie pas évidemment. Allez, on est parti pour la suite, souvenez-vous, on venait de battre le troisième boss, on avait récupéré le troisième bocal et la manivelle qui va nous permettre énormément, si tout va bien, de choses très 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 sympas. Heisenberg nous avait donné rendez-vous chez lui, donc on va y aller tout simplement. C'est moi où il commence à y avoir un coucher de soleil, là, mon petit père. Eh oui, mais le temps passe. Incroyable. Alors, attendez. Parce qu'il y avait deux chemins possibles dans le domaine du réalisable. On avait ici, d'accord. Donc, à la limite, pourquoi pas. On va voir ce qu'il y avait derrière. Mais il a dit, retourne au cimetière. Alors, là-bas, je ne pense pas que ce soit un cimetière. Si vous voyez ce que je veux dire. Néanmoins, pourquoi pas aller checker, ça ne coûte rien. Il y aura sûrement quelque chose d'incroyable là-dedans. Alors attends. Attends. On a un trésor. L'arme cachée de Moro. Je commence à avoir la gueule en vrac. Merde, je me ferai toujours avoir. Pour 200 lei. Attendez. Eh, pas moi, Coco. L'arme cachée de Moro. Mais attends, ça sent le boss. On vient de sortir d'une panade. C'est pas pour se remettre dedans, voyons. Oh! Des saloperies. Je vais vous avoir! Et de 1, viens, Coco. Yes. Bon, allez, j'arrête de passer pour un con. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, la boule! Ok. Putain, je me souviens plus du tout où c'était. Ah! Oh! What? J'étais pas concentré sur lui. Ah, c'est un beau. Il est bon. Ça dégage. Ok. Ok. Oh là là. 25 balles! Merci. 25 balles où je remballe. Je me souviens plus où était mon petit labyrinthe là, putain. Il était où, my labyrinth? Il était là, non? Porte mécanique! Bah ouais, mais faut retourner en arrière. Non, c'est pas là. Où était mon labyrinthe? C'est incroyable. On l'avait croisé. Oh non, on l'a croisé l'épisode d'avant.
Et l'épisode d'avant, je crois qu'on a passé notre temps. Oh non, ça y est, je suis énervé. Je suis énervé, j'ai envie de pleurer. Ok, on va passer ici. Se verrouiller de l'autre côté, c'était évident. C'était évident. Quoi ? Encore un ? Voilà mon pote, t'as cru que j'étais qui moi, hein? Mermianda m'a donné une montagne! Maintenant je peux faire des tas et des tas d'expériences avec le cadou. C'est mon laboratoire secret, rien qu'à moi. J'ai fait 3 expériences avec le cadou aujourd'hui, mais le résultat a été catastrophique. J'ai introduit le cadou dans un cobaye, et après je lui ai injecté du sang de loup dans la colonne vertébrale avec une aiguille. Il s'est alors mis à gigoter dans tous les sens et a tué mon assistant. J'ai pas pu le retenir, alors je l'ai mis en cage. Maintenant, il faut que je lui donne à manger. Ah, allez, on a le boss. Hein. On a le boss suivant. Ouh, in the Iron Avengers. Walker Texas Ranger, tu connais? Alors, vous inquiétez pas, je vais me débarrasser des armes que j'ai en trop, ne vous en faites pas. Mais j'ai envie de vous dire, niveau inventaire, nous sommes bien, n'est-ce pas? Ouais. Y'a quelqu'un là-dedans? Y'a quelqu'un ou pas? Alors, attendez. Ah bah alors, là, je suis très frustré. Je pense savoir quoi faire. Mater ça. Bah oui, on va le remplacer par le cut. Finalement, a-t-on besoin d'un couteau? Bien sûr que non. Allez, on recharge. Bonsoir. Y'a quelqu'un? Quoi? Allez, dégage. Dégage. Voilà, ça dégage. Moi, tes conneries, j'en ai rien à péter. Je sais pas qui t'es, mon ref. Je sais même pas qui je suis, moi. Voilà. C'était quoi ta comédie là? Oh, tu me fais quoi là? Complètement timbré toi, hein? Ouais, je préfère utiliser le magnum parce que de toute façon, vu que je vais l'améliorer, bon, pff, on récupérera les balles. Ceci n'est pas un problème, vous l'aurez compris. On a quelque chose ici incroyable, on peut faire des moves de dingue. On est parti, on n'a même pas récupéré le trésor de Moro, hein. Je pense que le boss est littéralement après, si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous ne voyez pas ce que je veux dire, bah ça c'est terrible. Oh, c'est beau. Dites donc. Ah, le trésor de Moro est juste là, dans le puits. Bon, c'était pas la bête, hein. C'était pas la bête, là, qui s'est cachée, hein. Je pense qu'on va... on est face à un autre problème. Mince, je me suis trompé. Le volant de puits, ça y est. C'est beau, regardez. Hop, on a la Minia. Incroyable, non? Belle Minia, ça. Ah bah tiens, c'est l'usine, là-haut, bordel. Tout ça pour ça? Pardon? Cette comédie pour ça? On se casse. Ça ne me dit rien qui vaille. J'ai peur. Non, c'est bon. C'est bon, je vois pas comment il peut pop dans le chemin. On a, les amis, un problème de catégorie 17. Je ne sais plus du tout où est le truc, la Bones. Et j'ai envie d'aller le chercher. Donc, vous savez quoi? Eh ben, on va aller le chercher, tout simplement. Où c'était? C'est pas vrai. J'avais repris l'épisode où, déjà? J'étais là, ouais, salut tout le monde, c'est Mr. B-Boy, ouais. J'espère ça va, tiens, check ça. Ok, ensuite j'étais là, oh là là, dites voir, on va descendre en bas, parce qu'en bas, ben, c'est bien, et on va, hop, courir là-bas, et, oh non, un homme gluant. C'était... Quoi? Je vais me vénère. Tête de ma mère! Tu appuies sur ce truc, Ethan. Ben non, mais vu qu'on l'a récupéré en haut, c'est qu'il ne peut pas être en haut. Je le doute? Non mais, on cessera. Je pense que c'est une des phrases, évidemment, capitales
Mais ma bite! Je vous le dis! Ma bite! Je comprends pas! C'était vraiment derrière! Ok, this way. Par ici. Hein, évidemment, c'est traduit. Ça fait plaisir. Non, 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 je... Peut-être là, je... Ah là là! Non, là, ça m'embête déjà. Je suis embêté. Je suis fort embêté. Il faudrait que j'aille check un de mes épisodes. Et que je me dépose un like aussi pour l'occasion. Non, là, par contre, là, je suis très énervé, là. Là, ça s'entend pas, ça se voit pas, mais je suis extrêmement vénère, mon pote. Ok. Oh, c'est pas vrai, c'est encore de l'autre côté. Putain, mais quelle vie. Porte mécanique. Quelle vie. Non. Ça va pas se passer comme ça. Dans mes souvenirs, c'était derrière, non? Non, mais attendez, je suis peut-être fou. Hop, ouvre-moi ça, Ethan. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est peut-être moi qui dis jaune, je ne sais pas. Ok. Hop, ça on prend bien sûr. Ça, c'est une poule rare, ça, non? Non? Bah, où est ma volaille? D'où Jésus? Il y a eu le bruit, mais je crois qu'il n'y a pas eu... Je sais pas pourquoi j'ai ce réflexe de mater les chiottes. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? Pourquoi il y a une flèche qui me dit ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Oh, dites donc! J'ai compris. Merci! Toujours, il n'y a pas de flèche au hasard ici, hein, si je puis me permettre. Qu'est-ce que c'est que ça là-haut? Ça, dites donc. Oui, bon, on découvre, hein! Nous revoici dans le village. Oh, j'ai peut-être ma petite idée. Non? Non, je ne sais pas. Il y a une chèvre ici ou pas? Ok. Mais ça ne s'arrête pas. Ruby, sang de pigeon. Ça ne s'arrête pas. C'est totalement dingue. Bon! L'arme du moulin à eau. Ah mais je crois que je n'y arriverai jamais ici, c'est pas vrai. Hein. Non, 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 il y a vraiment un truc qui m'embête là. Le labyrinthe, mais il est là le labyrinthe alors? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Faut donc retourner en arrière. Oh là là, mais oui, mais... C'était bien le labyrinthe qui était montré, terrible. Bon, vous savez qu'après chaque boss... C'est toujours un peu l'épisode de balade, la quête de trésor, la quête de l'amour et de la suite de nos aventures évidemment. Donc, bah on doit le faire, c'est un épisode indispensable pour découvrir le jeu dans toute, évidemment, sa profondeur. Hop, vas-y mon petit Ethan. Tu fais pas trop d'efforts quand même, hein, c'est pas si haut que ça. Hein. Le labyrinthe est juste derrière, oh là là, j'ai eu un... Ouais, j'ai eu un coup de flip, j'ai eu un coup de flip. Dans cette fichue maison que je n'ai pas... fouillé, ben oui, voilà où il était, incroyable, allez, où est ma Bose, elle est là, oh, 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 attends, ok, je ne comprends pas ce qui va se passer en bas, tranquille, c'est un petit labyrinthe de merde, ça. On peut pas perdre la Bose. Ah si, si, il commence à y avoir des trucs. Très bien. Ça s'est joué un peu, si je puis me permettre.
Allez, hein. Moins de visibilité, les potes. Non. Moins de visibilité, ça sera assez ouf, en fait. C'est pas vrai. Eh bébé. En plus, oh, pas assez de challenge. Pas ouf. Pas assez de challenge. Et ben voilà. Crâne vert pâle. Oh, c'est incroyable. On est bien. On est très très bien. Objet de valeur, objet de grande valeur. Objet de valeur, objet de valeur. Objet de grande valeur, objet de grande valeur. Combinable, combinable. Combinable, tiens donc. Combiné avec quoi? Ben oui, ben bien sûr. Voilà. Et on va garder le reste, je suppose, pour la fin encore. Très bien, on est très très bien. Oh là là, je suis tout excité à l'idée de savoir à quel point on est bien. On va retourner voir notre meilleur ami, le vendeur. On va aussi récupérer l'arme de Moro. On va vendre nos armes, entre guillemets, inutiles. Sachant que, il faut pas oublier quelque chose d'important, c'est que dans Resident Evil 4, par exemple, oui, je sais, on va encore en parler... Mais dans Resident Evil 4, il faut savoir que les armes du début, une fois améliorées au maximum, par ici, papa, une fois améliorées au maximum, elles étaient plus puissantes que les dernières armes qu'on trouvait. Et ça, faut pas l'oublier quand même, c'est pas négligeable. On a quelque chose, dites donc, incroyable. Ben voilà, mais il est ici, ce trésor. Oh, ils sont cool, hein. Oh, ben ouais, mais là, les potes... Pardon. Ok. Ok, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je peux comprendre ce problème. Ne bougez surtout en aucun prétexte. Sous aucun prétexte. Ok. Et comment on incline? Comme ça, bien sûr. Bien sûr, ça paraît pourtant évident. On est très bien. On est très bien. Confirmé. Voilà. Alors, soit... Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Là, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien d'autre? Il y a quelque chose ici, les potes. Cette petite cabane de merde. Il y a quelque chose, mais what? Eh ben voilà. Je vais me faire arracher ou pas? Ok. On est reparti. J'ai envie de prendre ma vengeance. Ah oui, d'accord, il a installé tous ces panneaux pendant que je me faisais démonter. Incroyable. Non mais là, je suis désolé d'insister, mais on doit le faire au moins une fois. Loup démoniaque légendaire, venez nous dévorer, venez manger notre chair. Mais c'est pas vrai, c'est où? C'est où? Il y a un bas ici, mais c'est introuvable. On va bien réussir à le trouver. Terrible. Terrible. Bon, allez, c'est pas grave, on retourne au cimetière. Rose t'attend, ok. Oh, dites donc. Incroyable. Incroyable. On prend ça, bien sûr qu'on prend. On prend ça, bien sûr qu'on prend. Manivelle, 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 manivelle. On a quelque chose toujours dans cette pièce. Ici, je suppose que, en fait, vraiment, hein, ici, ce sera la sortie de cette quête. Là, on a le pont-levis et le famoso pont-levis. Eh ben, vous savez quoi? On ne va pas y aller. On va tout simplement aller derrière, visiter... on retourne là-haut. Je l'ai fait, hein, ce puits. Hein. Attendez, je suis totalement paumé, là, putain.
C'est bon. On va récupérer les trésors qu'on a laissés derrière et le coup de manivelle aussi. Ça pourrait être, je pense, très très bien. Et on retrouve notre ami, le vendeur. Hop, une petite save. Ça passe plutôt vite le temps qu'on s'amuse. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, il y a le bokeh. Toutes mes excuses. Ok. Alors, bien sûr que j'ai besoin d'argent. Ça, on peut vendre. Objet de grande valeur. Ça, on peut vendre. Objet de grande valeur. Objet de valeur tout court, pardon. Ça, on peut vendre. Bête cristallisée. Les yeux de Moro. Un frère. Hop, c'est fait. Le collier commence un petit peu à prendre de la valeur. C'est plutôt cool. Et j'ai ça qui vaut 20 000. Mais on se le garde de côté, vous savez que j'aime bien. Est-ce que... En vrai, on vend 50, hein, il me le reprend, hein, ce chacal. Ok, on pourra le racheter si jamais on veut, hein. Et ben voilà. Ça, oh, fait combien? Ça vient de Lord Moro. 180 000. C'est sans doute ce que l'on appelle la beauté du grotesque. 180 000, on est méga bien. Et on peut racheter avec les améliorations, c'est incroyable. Vous avez assez de puissance de feu? Si vous voulez, je peux encore améliorer vos armes. Toi, t'es un frère. Donc tu vas le faire immédiatement. Allez, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça. Et avec ensuite, plaisir. Ça aussi. Une ça modification aussi. Comme celle-ci ne prend qu'un instant. Ça aussi. Là, je suis peut-être un peu le fou. 1900 dégâts, le Jiggle. Incroyable. Oh, les bâtards. En fait, on peut pas l'améliorer. Alors, on est baisé. Cadence de je suis cuillère. Plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. On peut pas améliorer la capacité, donc ça recharge pas l'arme. Terrible. Et en cuisine, on a quoi? Les dégâts quand vous vous protégez, bien sûr. Le poisson, il m'en manque. Bah, on va peut-être faire un truc réduit grandement les dégâts quand on se protège, non? Vous en pensez quoi? Attendez. Poisson raffiné. Il manque un poisson raffiné. Ouais, bon, on va faire ça. Ça me paraît pas mal, allez, go. Continuez. Nous avons tous les ingrédients. Et ben voilà. Nickel. Bien. Ça, c'est bon. Allez, il nous prépare ça. Un bon repas. C'est entièrement mérité après ces épisodes incroyables qu'on a vécu ensemble. Et voilà. J'aimerais vous en faire profiter aussi. Voilà. Pas mauvais du tout. Ça vaudra le coup de se protéger, c'est moi qui vous le dis. Augmente votre vie encore, hein. On peut le faire, hein. Ça ne s'arrête pas. Par contre, il faut plus de poissons, évidemment. On verra ça un petit peu plus tard. Écoutez. Ça fera sûrement un bon repas. On va save. J'ai. Trop bien. On avance trop bien. Vraiment. Ça, on le met là. Au moins, c'est fait, j'ai envie de vous dire. Plus qu'un, et après, on affrontera je ne sais quoi. Très bien. Ici, tout est ouvert, c'est incroyable. Direction l'arrière, parce qu'on avait... Attendez. Ouais, on avait des dingues. Des véritables dingues. Il y avait un coffre ici, non? Non, pas ici, de toute évidence. Il y avait un coffre ici, non? Il n'y avait pas un coffre sur une petite établie? Non, bon, de toute évidence. Il y avait un coffre ici, non? Ah! Ok. Et ben voilà. Nickel. La coupe de César, on l'embrasse. César, quel homme. Quel homme. Extraordinaire. Ou quelle femme. Il y a un nœud à la fin, donc je ne sais pas trop. J'ai envie de vexer personne, vous savez. Allez, direction ce petit pont. Qui va mener à je ne sais quel endroit. Let's go. Et il faut qu'on aille chercher. J'ai toujours laissé une chèvre derrière. N'oubliez pas, hein. Ça, c'est, cette histoire va me rendre totalement chèvre. Sans mauvais jeu de mots.
Voilà, mon Ethan. Encore un boulot bien fait, je te le dis, mon pote. Ok, munitions de snipers. Très bien, ça. Très, très bien, ça. Un bateau? What the fuck? Ça me... Ok. On va faire un petit tour. Pourquoi pas, pourquoi pas? Je sais pas du tout où ça mène. En enfer, sûrement. Ah, le pont qui nous avait permis d'aller dans le château de Dimitrescu. Qu'est-ce que c'est que ça, dites donc? Tiens, 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 encore what? On va débarquer. Hop, 360 noscope boat on the pop. Oh, 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 oh. D'accord. C'est donc... Il fallait attendre ce moment-là pour revenir dans le château. Très, très bien. Très, 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 très bien. Retour au château. Quel bonheur. Alors, par contre, le charisme des boss, est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Autant les Bakers, incroyable. Autant Dimitrescu et notre ami... comment il s'appelle? Notre ami, incroyable aussi, la maison Beneviento, voilà, excusez-moi, j'entends les mots, c'est incroyable. Attends, 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 il y a des trucs et tout ici. C'est là qu'il y avait une dague, hein, pas très loin, hein, me semble-t-il. Hein. Bon, déjà derrière la maison, on a un puits. Le puits du fou. Hop, on va immédiatement... Voilà, récupérer ce puits... Allez, régale. Tu me régales. Une échelle. C'est un aller simple pour l'enfer. Moi, j'y vais. Hein. Bon, moi, vous savez que je fonce la gueule... Je fonce directement dans la gueule du loup, comme on dit dans le milieu, hein, évidemment. Hein. C'est un long puits. C'est un très long puits. Waouh. Ça me dit quelque chose, ça. Ah, tiens, tiens, tiens. Ok. D'ailleurs, niveau inventaire, on en est où, s'il vous plaît? Oh, ça s'est affiné. Alors, je sais que vous n'êtes pas là pour voir quelqu'un qui fait son petit rangement, mais j'ai envie de le faire. Laissez-moi tranquille. Voilà. Ce sera très bien comme ça. Hop. Voilà. Matez-moi ça. C'est beau ça, tout ce qui se passe là, dites donc. Tiens, on va même mettre ça ici. Ça ici. Toutes les armes en haut. Et ça sera très très bien comme ça, bien sûr. Hop, on va même... Eh, on fait vraiment les choses bien ici. Hein. S'il vous plaît, hein. S'il vous plaît. Voilà. Incroyable. Incroyable. Matez-moi ça. On a de la place. Oh, ça manque limite d'armes, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Conneries de merde, là. C'est encore une énigme. Ok, énigme réussie. Ok. Je sais pas, écoutez, on tente des moves. Forcément un bail là-dedans. Très bien. Très très bien. Pourquoi je fais ça, putain de merde? Ethan répond à ma question. Je
remets tout comme c'était. Hein. C'est pas vrai, les gars. Oh. Je suis un connard. Parce que je pourrais jamais remonter en haut, si. D'accord, ok. J'ai pas saisi l'ampleur de tout ce que je fais. Mais normalement... Normalement, c'est comme ça. Voilà, ok. Ouais, ça va, c'était pas trop dur. Ça va, c'était pas très dur. Hop, on se casse la gueule, merci bien. Un grand rubis de sang de pigeon, mais c'est incroyable. Tout ce qu'il y a, mais dites donc. Eh, je crois qu'on a fini le collier, là, non? Combiné. Voilà, c'est déverrouillé. Il est complet. Il est complet. Le collier complet, bien sûr. Incroyable. Bon, il y a un objet qu'on a malheureusement pas pu faire convenablement. Incroyable. Mais non, mais attendez, mais il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses. Je suis désolé, il se passe beaucoup trop de choses. Ah, ça va être long. Il se passe beaucoup trop de choses. Attendez. Et on a un point de sauvegarde à côté, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, on se retrouve pour l'épisode suivant. Un petit peu de balade. On va essayer de récupérer encore 2-3 petits trucs. Et évidemment, on continuera notre aventure. Tout simplement, grandiose. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.